Après le cas Armstrong, une autre grande affaire de dopage fait la une de l'actualité aujourd'hui. Le procès de l'affaire Puerto s'ouvre aujourd'hui à Madrid avec en principal accusé le docteur Fuentes, arrêté en 2006 et soupçonné d'être au cœur d'un vaste système de triche dans le cyclisme, mais aussi dans le tennis et le football. Le 23 mai 2006, après une enquête de plusieurs mois, la police avait mis la main sur de nombreux produits dopants et quelques 200 poches de sang dans plusieurs appartements de Madrid. Mais à l'époque, il n'y avait pas de loi antidopage en Espagne. Et Eufemiano Fuentes ainsi que ses co-accusés vont répondre de délits contre la santé publique. Le coureur espagnol Alberto Contador, revenu à la compétition après une suspension de 2 ans pour dopage, témoignera, lui, le 5 février.